Bonjour et bienvenue au 45 Avenue Mohamed V, Tunis. Examen session principale de l'année 2020-2021. Question 1. Quelle est la pièce maîtresse que le bénéficiaire des sommes doit obligatoirement présenter au débiteur pour bénéficier de l'application du taux de faveur conventionnel? Question 2. Rectifier ce qui est faux. Petit a. En présence de conventions de non-double imposition, on applique toujours le taux prévu par la convention. Petit b. Si la convention prévoit un taux supérieur au taux du droit interne, on applique le taux du droit interne. C. Si la convention ne prévoit pas de taux, le débiteur a le choix entre l'application du taux de droit interne du pays de la source ou celui du droit interne du pays de la résidence. D. Si le débiteur des sommes n'applique pas la retenue à la source prévue par la convention, il a le choix entre l'application du taux conventionnel selon la formule de prise en charge ou l'application du taux du droit interne du pays de la source selon la formule de prise en charge. Déterminer le taux à appliquer dans ce cas selon la formule de prise en charge si on suppose que le taux prévu par la convention est égal à 10% et que le taux du droit interne est égal à 20%. E. L'assiette de la retenue à la source en matière d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés est égale au montant de la prestation nette de la TVA. Troisième question. Un établissement stable algérien d'une société marocaine a accordé un prêt de 200 millions à une société résidente en Tunisie avec un taux d'intérêt égal à 10%. Remarque, le taux de la TVA sur les intérêts est égal à 7%. Travail à faire. Déterminer le régime d'imposition des intérêts payés par la société résidente en Tunisie en répondant aux questions suivantes. Pays de la source, pays de la résidence du bénéficiaire, la personne qui doit opérer la retenue à la source, montant des intérêts concernés par la retenue à la source en matière d'impôt direct, montant de la retenue à la source en matière de TVA, convention et articles de la convention à appliquer, taux de la retenue à la source en matière d'impôt sur les sociétés et montant total des retenues à la source à opérer. IS plus TVA. Quatrième question. Une société de fabrication d'équipements industriels, MCO, résidente au Maroc, a un établissement stable en Tunisie. L'établissement stable tunisien de la société MCO a commandé une assistance technique auprès du siège. Le siège a réalisé l'assistance technique par ses propres moyens. Le coût de l'assistance s'élève à 100 millions. Puis, il a envoyé à son établissement tunisien une note de débit d'un montant égal à 120 millions. Déterminer le régime fiscal de l'assistance technique en répondant aux questions suivantes. Est-ce que l'opération est imposable en matière d'impôt sur les sociétés? Et par conséquent, y a-t-il une retenue à la source à opérer? Est-ce que l'opération est imposable en matière de TVA? À faire une réflexion sur la territorialité de la TVA. Déterminer le montant de la retenue à la source à opérer. Qui a le droit de déduire la charge? L'établissement stable tunisien a le droit de déduire la charge. 0,5. Quel est le montant déductible? 2,5. Cinquième question. La société Servimax résidente en Tunisie a réalisé au profit d'une société résidente en Algérie une opération de maintenance à travers le déplacement de deux techniciens qualifiés qui ont gardé leur famille en Tunisie. La maintenance a duré 13 mois. Citer les conditions d'imposition des bénéfices des entreprises. Citer les conditions d'imposition des salaires, déterminer le régime d'imposition de l'opération de maintenance ainsi que celui du personnel en répondant pour chaque hypothèse aux questions suivantes. Où l'opération est imposable en matière d'impôt sur les sociétés? Où l'opération est imposable en matière de TVA? Quelle est la modalité d'imposition et pourquoi? Qui a le droit de déduire la charge de personnel et pourquoi? Quel pays a le droit d'imposer la charge du personnel? Le revenu global des salariés est imposable dans quel pays? Pourquoi?
Est-ce que les salaires peuvent être imposés en Tunisie? Pourquoi? Extrait de la Convention de non-double imposition de l'UMA, l'Union du Maghreb arabe. La République tunisienne, la République algérienne démocratique et populaire, la Grande Jamahiria arabe libyenne socialiste et populaire, le Royaume du Maroc et la République islamique mauritanienne ont convenu de ce qui suit. Article 8. Bénéfices des entreprises. Les bénéfices d'une entreprise d'un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'un des autres États contractants par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l'un des autres États, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables au dit établissement stable. 2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, lorsqu'une entreprise d'un État contractant exerce son activité dans l'un des États contractants par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé dans chaque État contractant à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues, dans des conditions identiques ou analogues, et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable. 3. Pour la détermination des bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses engagées aux fins de l'activité de cet établissement stable, y compris les dépenses effectives de direction, les frais généraux réels d'administration, ainsi engagés soit dans l'État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs. Aucune déduction n'est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées par l'établissement stable au siège de l'entreprise ou à la quelconque de ses autres établissements comme redevances, honoraires ou autres droits, ou comme commission autre que le remboursement de dépenses réelles facturées effectuées. Pour des services rendus, pour une activité de direction, ou sauf dans le cas d'une entreprise bancaire comme intérêt sur des sommes prêtées à l'établissement stable. Article 12. Intérêts. 1. Les intérêts provenant d'un État contractant et payés à un résident de l'un des autres États contractants sont imposables dans l'État où sont payés lesdits intérêts. L'État de la résidence du bénéficiaire des intérêts exonère ces derniers ou accorde l'imputation de l'impôt payé dans le pays de la résidence du débiteur des intérêts. 2. Le terme intérêt, employé dans le présent article, désigne les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties au nom de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices et des créances de toute nature, ainsi que tout autre produit assimilé aux revenus de son prêté par la législation fiscale de l'État d'où proviennent les dits revenus. 3. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de l'État suivisé. 4. Si par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le créancier, ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention. Merci pour votre attention et bonne chance.